Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un God Mode invisible qui fonctionne sur toutes les cartes de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce God Mode, il nous faudra la ARCXD. Donc vous allez à l'établi et vous l'achetez, ça coûte 100 matériaux supérieurs. Il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de messages me disant que le glitch était patché. Et en fait, depuis la mise à jour d'hier d'Halloween, et en fait il n'est pas forcément patché à 100%. Il est peut-être patché mais pas à 100%. Parce qu'en fait quand vous allez réaliser le glitch, c'est de la même façon comme je voulais présenter précédemment. Sauf que parfois en fait, la voiture explose. Peut-être parce que vous la mettez dans des endroits délicats. Donc la voiture explose parce que ben voilà, c'est pas un bon endroit. Avant elle n'explosait pas mais maintenant elle explose à certains endroits. Ou peut-être ben que vous avez raté le glitch, même si vous voyez quand vous changez votre pelle, donc votre arme de corps à corps, même si vous la voyez réapparaître avant que vous rentrez dans la ARCXD, c'est possible que la ARCXD explose quand même. Donc ça c'est dû à l'after patch. Donc ils essayent de le patcher mais ils sont complètement foirés, ils n'ont pas réussi à le patcher à 100%. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer plusieurs tentatives, on verra bien si j'y arrive du premier coup, voir si la voiture explose ou pas. Alors bien entendu ce glitch fonctionne sur toutes les maps Call of Duty Cold War, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et pour réaliser ce glitch, il vous faudra une arme de corps à corps, donc soit l'arme pelle que j'ai, soit les nunchaku, ou soit tout simplement le couteau. Ensuite, il vous faudra une deuxième arme de rapidité assez rapide quand vous changez d'arme. En fait, vous voyez comment je change d'arme rapidement. Donc, il vous faut deux armes de rapidité du changement d'arme. Donc, par exemple, moi, j'ai pris un petit pistolet, le 1911 qui était au spawn. Je l'ai acheté et normalement, ça devrait fonctionner. Ça, avec cette arme, ça fonctionne aussi apparemment, quand j'ai vu dans les commentaires, avec des pompes. Fonctionne avec des pompes. Et on m'a dit d'acheter l'atout rechargement rapide qui normalement devrait augmenter mon changement d'arme. Donc voilà, achetez l'atout rechargement rapide, équipez-vous de toutes les armes que je suis en train de vous montrer et essayez de faire le glitch avec la ARCXD. Alors là je vais me rendre dans la tour d'observation parce qu'en fait c'est un bon emplacement si vous voulez mettre votre ARCXD et faire le glitch. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais placer la ARCXD juste ici à droite, à gauche là. Donc ce que vous devez faire c'est faire flèche de droite et changer d'arme juste après avoir fait flèche de droite. Si vous le faites bien, vous allez vous téléporter dans la ARCXD, mais vous, avant de vous téléporter, vous allez voir deux fois votre arme comme ça en fait. Comme si ça faisait ça en fait. Comme si votre pelle ressortait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de vous le montrer. Là, j'essaie de vous l'expliquer en vocal, mais peut-être que vous comprendrez mieux quand je vais le faire. Donc là, on va essayer de remonter. Hein. On attend le refroidissement. Ok, c'est bon. Et là, en fait, je vais faire flèche de droite et je vais appuyer triangle directement. Flèche de droite, triangle. Flèche de droite, triangle. Flèche de droite, triangle. Donc là, je suis un peu trop rapide. Donc, je vais essayer de diminuer la rapidité jusqu'à temps que j'y arrive. Donc, flèche de droite, triangle. Flèche de droite, triangle. Un peu moins vite. Un peu moins vite. Un peu moins vite. Là, j'ai réussi. Logiquement, là, j'ai réussi. Je fais exploser la RCXD. Et ça fonctionne. Donc, la RCXD, elle est restée figée. Donc vous pouvez regarder en mode ralenti ou regarder plusieurs fois le moment où je réussis. En fait, ce que vous allez voir, c'est que je sors la télécommande de la RCXD, mais directement après, je ressors l'appel. En fait, le personnage ressort l'appel. Et là, regardez, en fait, la RCXD est restée en haut. Là, le zombie m'attaque, mais c'est normal. Donc je pense que c'est parce que c'est le dernier zombie. Mais logiquement, il ne devrait pas m'attaquer. Seuls les zombies élites, les zombies chiens, les zombies hurleurs. Non, même pas les zombies hurleurs. Seuls les zombies chiens et les zombies élites peuvent m'attaquer normalement. Donc là, je ne vois pas le zombie. J'aurais peut-être dû le tuer. Il est en haut. Ok, il est en haut. Ah, peut-être pas. Non, il est là. Donc je vais tuer le dernier zombie. Et je vais aller voir. Normalement, tous les zombies de la prochaine manche devraient pile up un peu n'importe où. Parce que c'est un glitch. Là, je vous présente un glitch zombie God Mode pile up AFK. Donc normalement, tous les zombies vont devoir pile up. Donc c'est ce qu'on va regarder. Et là, je l'ai mis dans la tour d'observation. Hein. Mais si vous, par exemple, vous le mettez ici, les zombies vont tous pile up autour de la RCXD. Le problème, c'est que les zombies élites... Donc, ok, donc là, ça n'a pas marché. Ah, si, c'est bon, ça marche. Ok, donc en fait, pour que ça marche, il faut que je reste en dessous de la tour. Sinon, ça ne fonctionne pas. Regardez. Je croyais que ça fonctionnerait dans toute la map, mais en fait, non. Il faut vraiment que je reste en dessous de la tour. Là où il y a la ARCXD. Donc là, je suis juste en dessous. Et là, tous les zombies vont pile up. Donc, quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez pouvoir sortir votre arme
et faire tous les camouflages de vos armes facilement et très rapidement, voire même améliorer, enfin monter le niveau de vos armes, monter vos XP, peut-être pas faire des manches en illimité parce que ça sera un peu long, hein. C'est pas le meilleur glitch pour faire des manches en illimité, donc vous allez pouvoir faire des XP aussi en illimité, mais je pense pas que c'est le meilleur glitch pour le faire, sauf si vous faites, attendez, je vais vous montrer. Sauf, donc il faut que je termine la manche. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller détruire mon ARCXD. Et je vais le refaire à un autre emplacement. Vous allez voir que ça peut être plus intéressant. Là, je vous montrais le glitch AFK, hein, pour vous montrer que les zombies figeaient bien en dessous de la tour d'observation. Maintenant, je vais aller détruire la ARCXD. Parce qu'elle est destructible. Hein. Les zombies élites, par exemple, les mégatons, si vous le faites sur 10 machines, peut détruire la ARCXD. Donc ça enlèvera le glitch. Il y a les zombies aussi hurleurs, donc les zombies rouges qui explosent. Ça aussi, ça peut exploser l'ARCXD et faire dysfonctionner le glitch. Cependant, vous pouvez faire le glitch avec autant de voitures que vous voulez. Donc dès que vous avez 100 matériaux, vous refaites le glitch. Vous placez une voiture là, une voiture là, une voiture là, une voiture là. Comme ça, dès qu'il y en a une qui casse, ben, il y en a une autre toujours qui est disponible pour que le glitch continue. Et si vous tirez par exemple sur votre ARCXD aussi, comme je viens de faire, ben là ça la casse. Si vous lancez un cocktail Molotov, ça la casse. Si vous activez votre feu toxique, donc le truc que je viens de faire là, sur l'ARCXD, ben ça la casse aussi. Donc faites attention. Donc là je vais passer la manche pour obtenir 100 matériaux supplémentaires. Voilà, je suis à 120 matériaux supplémentaires. Et je vais tout simplement aller acheter une nouvelle voiture ARCXD et je vais réessayer le glitch. Mais là, je vais faire le glitch dans un autre emplacement. Je vais le faire sur la map, comme ça, tout bêtement. Comme ça, vous allez voir que ça fonctionne bien. Bien entendu, si ça fonctionne, hein, parce qu'ils l'ont patché à moitié. Donc, c'est possible que ça ne marche pas à tous les coups. Alors, flèche de droite, triangle. Flèche de droite, triangle. Flèche de zombie, je m'ennuie. Flèche de droite, triangle. Ok, là, j'ai réussi normalement. Donc, j'appuie sur R1 pour la faire exploser. La RCXD est toujours disponible et les zombies pile-up tout juste sur la RCXD. Donc là, si je veux, je vais racheter une autre RCXD et je la mets par exemple ici. Ou par exemple là. Ou je la mets n'importe où en fait. Je peux même créer un mur d'ARCXD. Donc par exemple, je me mets dans un coin, genre ici. Voilà, je me mets là. Et je mets une ARCXD là, une ARCXD là et une ARCXD là. Et tous les zombies... Eh ben, vont être bloqués, ils pourront pas venir. Donc, genre les mégatons, les zombies élites, sauf les disciples, ils pourront vous attaquer. Mais voilà, beaucoup de zombies élites vont être bloqués par l'ARCXD parce que vous allez faire un mur d'ARCXD. Parce que regardez, je peux pas passer au-dessus de la voiture. Donc voilà, ça c'est un petit glitch assez sympathique si vous voulez augmenter dans le niveau de vos armes, débloquer le camouflage, débloquer des XP, faire des manches en illimité, peut-être aussi. Même si c'est pas le meilleur glitch, mais voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwaCoolMec et ciao. Peace.